Le but de cette vidéo était de faire quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose qui avait jamais été fait dans le FMX, presque très très peu même dans les autres sports. La particularité de ce projet, c'est qu'il a été tourné 100% en images de drones de course. Le but était de plonger le spectateur pendant une minute au cœur de l'action avec Tom. Ce projet est arrivé un peu dingue et il a fallu, vu que c'était un projet drone racing, trouver le meilleur pilote de drone et on a trouvé Tom. De là on a fait une première rencontre, on est venu sur le spot pour découvrir, pour s'inspirer, puis on a... c'est parti quoi. Je me demandais pourquoi la caméra elle était orientée comme ça, ouais. Le truc il vole comme ça. C'est que on a une caméra qui va passer dans l'émetteur vidéo qui est là et grâce aux lunettes je reçois cette fréquence. Tu peux voir en direct ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Là, je sais pas comment tu fais. Moi, je sais pas comment tu fais non plus. Incroyable. Ah, t'as fait un flip, là. Ouais, oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Et une concurrence, ça m'énerve, là. Ah, là, en nombre de flips, je suis imbattable. Ah ouais. Aujourd'hui, le drone de prise de vue est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. On y fait presque même plus attention sur les images. Par contre, nous, avec le drone de course, on va apporter quelque chose de frais, de nouveau, une prise de vue engagée avec beaucoup de proximité, puisqu'on peut monter de 0 à 100 km/h en moins d'une seconde. On est capable d'atteindre des vitesses phénoménales, entre 130 et 150 km/h en moyenne. Les possibilités sont infinies, en fait, puisqu'on peut évoluer sur toutes les dimensions, sur tous les axes. C'est assez inédit pour moi de travailler avec un autre pilote, c'est-à-dire qu'on doit réaliser chacun sa performance de son côté. C'est la rencontre de deux pilotes, c'est-à-dire deux mecs qui, dans leur sport, essaient au mieux de performer, d'apporter de l'innovation, parce que déjà, le drone racing, c'est un sport nouveau. Surtout un pilote drone qui, lui, est l'un des tout meilleurs, donc qui fait des choses nouvelles constamment. Et moi, pour ma part, essayer d'apporter ces figures nouvelle génération, des figures que j'ai réalisées au East Game, qui m'ont fait gagner, les poser ici avec un drone qui me suit, quoi. Déjà, je veux me caler. T'as vu, ça va pas très vite, hein. Ouais, non, mais c'est... il y a du temps, tu vois. Je pensais qu'on allait avoir peut-être pas un poil moins de temps en l'air, mais non, ça va. Alors, t'as plus de temps que prévu en l'air. Ouais. Tu pensais que ça allait être plus. C'est les premiers tests, là. Vraiment, on est après toute la mise en place du projet, tout ce qu'on a imaginé. Là, on fait les premiers tests avec Tom qui fait juste des airtime, c'est-à-dire qui fait des sauts droits. Hop. Et l'autre Tom qui le suit avec le drone et qui prend ses marques en termes de vitesse, position, proximité, tout ça, et c'est ça qui nous intéresse. Mais là, on répète, non? Ouais, vas-y, calez-vous, là, il prend comme ça, tu prends de l'assurance. Pour réaliser un clip d'une minute, ça nous a pris 4 jours. Entre toutes les prises, les entraînements, on a commencé très souvent par du training, donc ça a été des sauts à vide pour que moi, je puisse me caler sur ses trajectoires, comprendre comment lui, il allait évoluer. Donc ça a été sur de l'airbag, sur du bac à mousse, puis ensuite, on est parti sur du concret. On arrive à faire un peu comme ça. Ouais, là il est rentré dedans. Sur les premières images que j'ai vues, ma réaction, ça a été déjà, enfin, je me croyais dans un jeu vidéo. J'avais l'impression de faire des tricks avec ma télécommande. Cet effet de jeu vidéo qu'on retrouve à travers nos images, c'est parce qu'on a été habitué pendant des années à le voir justement en jeu vidéo. Et qu'aujourd'hui, on arrive à le reproduire en vrai. Ça ressemble vraiment à du jeu vidéo.
Par contre, les risques sont réels. C'est-à-dire que maintenant, si je viens taper sur Tom pendant qu'il fait un double backflip, bah, je peux le perturber. Il est passé proche à un moment. Il est passé proche avec le drone. T'as vu un moment, c'est fixé. Et je dis, waouh. Et là, j'ai baissé la tête, ça doit passer, mais je l'ai quand même... Et on n'était pas loin, il y avait 50 cm je pense. Le plus difficile pour moi, le plus perturbant, ça a été le son du drone qui passe proche du casque parce qu'il essaie de suivre sa ligne, mais si là il changeait de trace, moi ça me perturbait. Donc il y a un moment où c'est vrai que j'ai tout coupé, je me suis arrêté dans la rampe et là ça a un peu surpris tout le monde. Beaucoup de pression pour moi, il ne faut pas le faire tomber, il ne faut pas le déstabiliser, il ne faut pas lui faire mal, il risque sa vie en sautant. La prise de risque est importante, c'est impossible pour nous de voler dans trois dimensions et d'être précis, toujours à un mètre de lui, sous l'angle parfait. C'est très dur de n'avoir qu'un certain nombre de prises sur certaines figures qui sont très compliquées. La rampe qui était ce matin ici, pour l'airbag, on la pose sur la réception ici, pour pouvoir faire... un double flip sur la terre. J'ai décidé d'aller sur le double flip. Double flip, première fois que je faisais ça au training ici, chez moi. Je savais que ça allait être vraiment compliqué d'en réaliser plusieurs. J'ai trois réceptions. Laquelle choisir? Laquelle est la mieux? Donc c'est presque plus compliqué que sur une compète où on t'impose la réception. Ça, c'est la distance qu'il y a à chaque fois sur tous les contests pour un double flip. On pose à 14 mètres. Ça permet de poser ou à 15 mètres ou à 13 mètres. Mais on sait où à peu près. Quand je te vois passer devant, quand je te perds du visuel, j'y vais quoi. Voilà. Okay. Vaut mieux que t'attendes presque à la limite s'il faut un tour de plus, j'attends. Que tu partes et que je sois face à toi, que je sois loin, etc. Ok, là, c'est bien. Ok. Ok. Allez. Ta tour. Ouais, c'est la scène finale et puis c'est un saut qui est différent des autres parce qu'il monte vraiment et puis du coup, on essaye de trouver la bonne trajectoire. En fait, le saut d'avant, on avait un top plan mais Tom est tombé. Donc, et le saut d'après, Tom est pas tombé mais notre plan il est moyen. Donc chaque fois, il faut que ça matche les deux quoi. Il faut que les deux pilotes aient le bon résultat au bon moment. Yes, yes. Il est beau, je crois.